Salut les gars, je vais vous présenter une nouvelle technique. Donc pour cette technique-là, vous aurez simplement besoin de faire deux mises. Donc la première mise pour les deux mises sera 5 euros. Donc la première mise, vous allez sortir à entre 1,10 et 1,30. Et avec la deuxième mise, vous allez sortir à 1,50. Donc pour cette technique-là, ce que vous aurez besoin, c'est d'attendre qu'il y ait au moins 3 rouges d'affilée. Une fois que vous avez vu qu'il y a 3 rouges d'affilée, vous misez. Donc 3 rouges d'affilée, je mise. 3 rouges d'affilée, je mise. Bon, c'est passé. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y aura 3 rouges d'affilée, vous allez miser. Et lorsque vous allez miser, vous allez essayer de prendre un maximum, bien sûr, sur le deuxième. Le premier, vous allez sortir assez tôt à chaque fois. Le deuxième, vous allez essayer de sortir plus tard. Et si vous voyez que ça fait 3 rouges d'affilée et que le prochain, c'est quand même un rouge, le suivant, vous allez tout simplement miser le double. Vous allez miser 10 euros au lieu de 5 euros. Ce qui va faire que vous allez récupérer votre mise et gagner en plus. Donc on double en cas de perte. Donc ici, je mise 5 euros les deux. On voit bien qu'il y a 3 rouges. J'espère que ce sera un rouge. Comme ça, je vous montre aussi comment ça se passe lorsqu'il y a encore un rouge. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu 3 rouges et encore un rouge. Ici, je vais miser 10 euros. Donc premier, je sors à 1,30. Deuxième, je sortirai vers 1,80, voire 2. Je sortirai à 2,20 même. Donc ici on voit bien que j'ai fait deux mises. Le premier je suis sorti assez tôt. Le deuxième j'ai pris un petit x2. Donc j'ai gagné 13 euros et 22 euros. C'est une technique qui demande quand même de la patience. Du coup on a bien vu ici, hein, ici que j'ai misé 5 euros. Ok. Encore un. Donc je remets mes mises à 5 euros. Donc faut surtout pas oublier de miser le double lorsque l'on perd une fois. Donc ici on voit bien que j'ai misé 5 euros. Le prochain, j'ai misé 10 euros pour prendre un bénéfice. Si vous misez 5 euros, le problème c'est que vous n'allez pas prendre de bénéfice. Donc je vous conseille quand même de faire un dépôt d'au minimum, je dirais, 50 euros pour cette technique-là. Voilà, donc miser 5 euros. Ça devrait passer normalement. Ok, donc c'est pas passé. On passe tout de suite aux mises de 10 euros. Je vais sortir ici à 1,80. Donc on voit bien que je me suis fait ici presque 10 euros et ici 3 euros. Ce qui se passe, bon, c'est très rare, mais s'il y a encore un rouge, donc que vous voyez que ça fasse 4 rouges plus encore un rouge, donc 4 rouges plus encore un rouge, ça arrive très rarement. Ce qui se passe, c'est que au lieu de miser 10 euros, vous allez miser 20 euros. Donc vous allez encore doubler. Donc c'est pour ça que je pense que faire un dépôt de 50 euros, ça va être assez juste. Sauf si vous prenez le bonus. Donc je vous conseille quand même de faire au moins un dépôt de 100 euros pour être au moins tranquille. Donc j'ai démarré avec 250 euros aujourd'hui. Je suis déjà à 700. Mais bon, ça fait quand même 3 heures que je suis là. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez vu la technique, vous avez vu comment ça se passe. Donc vous attendez qu'il y ait 3 rouges, vous misez. 3 rouges, vous misez. 3 rouges, vous misez.
Si ça passe pas, vous doublez. Ici, pareil, 3 rouges, vous misez. Ça passe pas, vous doublez. Et ainsi de suite. Et vous allez monter. Ça va prendre du temps. Donc, c'est une technique intelligente. Mais on monte très lentement. Mais sûrement. Mais bon, vaut mieux monter lentement que sûrement que tout perdre. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, je vous ai présenté la technique. N'oubliez pas de faire un dépôt. Prenez le bonus aussi. Ne faites pas de trop petits dépôts parce que le problème c'est que vous ne saurez pas de simplement doubler votre mise lorsqu'il faudra et vous allez tout perdre. Donc voilà. Je vais vous montrer une dernière quand même. Ah non, c'est passé. Donc voilà, c'est tout pour cette technique.